ça fait pas tout ce qu'une mère nous fait. Un père, ça tricote pas les pulls verts, par exemple. Ouais. Ça fait pas la cuisine. C'est gay la maison? Ah oui. Ah bon? Très. Très gay. Faut qu'on plaisante, on... Ah oui, on plaisante, on s'amuse, on raconte des histoires, quoi. Puis papa vient jouer le soir, tout ça, quand il a le temps. Et maman aussi? Ah non, sa maman, elle aime pas beaucoup jouer. Ah bon? Elle préfère faire ça, elle préfère travailler. Est-ce que tu trouves qu'elle est jolie? Ben oui, pour moi, oui. Oui? Mmh. C'est la plus jolie femme que tu connais? Bien sûr. Pourquoi bien sûr? Ben parce que c'est maman. Comment est sa voix? Douce. Grande, petite? Grande. Mais surtout quand elle met ses hauts talons, parce que ça la grandit beaucoup. Et en quoi elle peut pas être remplacée? En gentillesse et en affection, une personne peut en avoir une affection, mais pas la même. La mère est toujours un petit peu plus indulgente que le père. Puis, un père, ça fait pas tout ce qu'une mère nous fait. Un père, ça tricote pas les pulls verts, par exemple. Ouais. Ça fait pas la cuisine. Elle la fait bien, la cuisine, ta mère? Très bien. Très bien. Et un jour, ta maman partait, ou enfin, elle n'était plus à la maison, qu'elle disparaisse de ta vie. Oui. Est-ce qu'elle te manquerait beaucoup? Oh oui, énormément. Pour moi, je pleurerais. Je demanderai à papa pourquoi. Pourquoi c'est irremplaçable? C'est parce qu'elle te fait à manger? Parce que j'aime trop, c'est tout. C'est simple.